Bonjour! Aujourd'hui, je vous retrouve en face cam, ça me fait trop bizarre. Pour répondre à toutes vos questions sur l'achat d'appartement, voici mon Instagram si vous voulez vous y abonner, c'est là où j'ai pris les questions. Donc, je vais répondre de suite parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Première question, étudiante, tu vivais où? Alors déjà, il faut savoir que je suis partie de chez mes parents à 17 ans et demi pour faire mes études à Castres. Et à Castres, j'étais dans un appartement étudiant, mais c'était pas loin de la fac et c'était bien. Ensuite, ça m'a saoulée, donc j'ai pris une colocation avec Lulu parce que c'était ma voisine d'appartement étudiant et puis on en avait marre, donc on a pris un appartement ensemble. Et ensuite, merci Moon, et ensuite j'ai eu un appartement à Toulouse seul, et ensuite j'ai eu un autre appartement à Toulouse où je vivais avec mon ex, enfin, où squattait mon ex, que soit dit en passant, j'adore toujours, hein, je le déteste pas cet ex. Et ensuite, bah, on s'est séparés, il est parti. Dans cet appart, je me suis fait cambrioler, je me suis fait agresser devant chez moi, et en plus de ça, voilà, donc je suis retournée chez mes parents, en plus je sortais de ma relation avec mon pervers narcissique et tout ça, donc je suis retournée chez mes parents. Ensuite, j'ai cherché un appartement sur Paris, et ça me cassait les couilles de mettre 1200 balles dans un 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, faut savoir que j'ai Jumpy et Moon, et que je ne peux pas, je dois faire des concessions, c'est comme quand vous avez des enfants, j'ai mes animaux, je peux pas les abandonner juste pour aller à Paris, et il me fallait un grand truc, et payer 1200 par mois pour être à Paris, bah pour moi c'était largement surcoté. Donc j'ai dit à mes parents, bah, tant qu'à faire, vu que j'ai des sous de côté, bah, je vais acheter à Toulouse. Et on en est là. La question, tu vis à Toulouse et seule? Donc oui, je vis à Toulouse et je ne vis pas seule, donc je dois vous avouer quelque chose. Chérie, c'est bon, tu peux, c'est bon, il n'y a plus de suspense. Ouais, je vis seule. Avec Jumpy et Moon. Avais-tu de l'argent de côté, et s'il y a un problème dans l'immeuble, qui paye? Alors oui, j'avais beaucoup d'argent de côté. Faut savoir que, voilà, il y a une question qui a été demandée, c'est pourquoi avoir acheté? Faut savoir que, en fait, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, comme vous avez vu en étant un peu plus grande, et je me suis jamais sentie chez moi. Moi, quand je veux être chez moi, c'est je veux pouvoir tout repeindre, je veux pouvoir refaire le sol, je veux pouvoir faire ma déco, je veux vraiment être chez moi. Parce que ça me fait chier d'investir du temps et de l'argent dans un appartement que je vais rendre, où je peux pas faire des travaux, etc. Et du coup, j'ai jamais vraiment été chez moi. Et depuis que j'ai 16 ans, du coup, ça a été toujours mon goal d'acheter un appartement pour pouvoir le refaire, le redécorer, le rénover, etc. Et du coup, j'avais toujours mis des sous de côté. Ma mère m'a toujours dit fais attention à tes sous si tu veux acheter plus tard. Donc, je suis jamais beaucoup partie en vacances. J'ai toujours été très économe. Et en fait, petit truc en plus, c'est que quand je suis partie de chez mes parents à 17 ans et demi, je suis devenue totalement indépendante financière. C'est-à-dire que je vivais avec 450€ de bourse par mois et je payais mon appartement avec la CAF et tout ça. Je payais ma bouffe, etc. Et tous les mois, il me restait genre 60-70€ par mois et j'arrivais à mettre des sous de côté. Donc j'ai vécu avec 400€ pendant très longtemps. Et du coup, en grandissant, ben, en ayant l'alternance, en ayant YouTube, etc., tous les sous que j'avais, au lieu de les dépenser dans des fringues, dans des sacs de luxe, enfin, même si j'en ai un tout petit peu, mais je me suis toujours freinée dans les voyages, etc. Et en fait, j'ai tout mis sur un compte. Donc voilà, j'avais environ mis un peu moins de 20 000€ de côté. Et voilà, aujourd'hui j'ai plus rien, mais je vous expliquerai ça après. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. As-tu eu des soucis parce que t'es jeune? Est-ce que tu as eu besoin d'un garant? À quel taux tu l'as eu? Et ensuite, peut-on acheter facilement sans CDI? Donc je vais vous raconter un petit peu mon histoire qui a été un bordel sans nom. Donc pour faire simple, j'ai commencé en décembre, je suis allée à la banque, donc j'étais au Crédit Agricole, et je suis allée les voir et je leur ai dit oui, je suis jeune et tout ça, je sais, j'ai pas de CDI parce que je suis de coup en auto-entreprise et j'aimerais acheter un appartement. Donc la femme a regardé, enfin ma conseillère a regardé mon compte et tout ça, elle m'a dit franchement t'as un super bon dossier, cherche un appart. Elle m'a imprimé les feuilles et tout ça pour que je puisse acheter de l'appart, pour savoir combien ils pouvaient me débloquer, etc. Parce que voilà, je pouvais pas débloquer non plus 200 000€. Voilà, donc j'ai cherché mon appart et j'en ai visité pas mal. J'avais fait des vlogs quand j'ai visité les apparts, je vous les mettrai par ici. Et je suis tombée sur celui-ci en fin de journée. Et vraiment, gros coup de cœur. Je savais qu'il y avait des petits travaux à faire, mais ça allait contrairement à ce que j'avais visité. J'avais visité des appartements, c'était des squats. J'ai visité un appartement où ça puait le chat. La piste de chat partout. Enfin bref, genre là, c'était un peu genre le goal parce que j'ai une cuisine que je trouvais incroyable et tout ça. Mais n'hésitez pas à regarder tous les vlogs. De la déco et de l'aménagement, etc. Genre c'est une playlist qui s'appelle Dream House. Donc j'ai pris celui-là, donc j'étais contente, je suis allée à la banque, j'ai fait les papiers avec le mec, etc. J'ai négocié le prix. Alors, je donne des petits conseils en même temps, négocier les prix. Moi je voulais l'acheter au prix qu'il m'avait donné. J'ai réussi à négocier, je sais pas, 3 ou 4 000 euros de moins, j'aurais pu négocier 10 000 ou 15 000 euros de moins. Surtout aujourd'hui, en connaissant l'état des lieux, j'aurais pu largement économiser deux fois plus. Négocier les prix. Je sais que moi je le voulais vraiment, que j'étais en galère, que je voulais vraiment déménager, donc j'ai un peu sauté sur l'occasion. Mais le mec en face avait l'air de vraiment vendre et j'aurais dû négocier le prix. Donc négocier le prix, n'ayez pas peur. J'ai pas écouté mon papa, mais j'aurais dû. Bref, et là finalement j'envoie mon dossier à la banque et la banque m'appelle et me dit non, en fait on peut pas.
Genre, on peut pas, on vous fait pas votre crédit. Et du coup, bah, moi, j'avais commencé à signer. Le premier s'appelle sous 5, c'est vous payez 5% du bien. Et je vous donnerai pas des prix précis parce que j'ai pas envie que ça jase et tout ça. Je l'ai pas payé cher du tout. Voilà, je l'ai payé pas cher. Enfin, après, je suis à Toulouse, c'est un 62 mètres carrés. Je suis pas non plus en centre, je suis dans une zone où il n'y a pas forcément le métro à côté, etc. Si j'avais été à Paris, je l'aurais payé 500, 600 000 euros. Pour savoir que je l'ai payé entre, je vais vous donner une fourchette large, entre 100 000 et 200 000 euros. Mais ça reste pas cher pour un appartement acheté. Donc bref, je demandais pas non plus un crédit exceptionnel et tout, et là je commence à stresser, donc finalement j'appelle la fille de l'agence, je lui demande si il y a une solution, elle me dit prends une courtière. Donc une courtière c'est une femme qui va, et en plus elle était adorable, Elodie. Donc elle est censée te trouver une banque qui accepte ton crédit. Et il faut savoir que j'avais un dossier compliqué. À la fois j'ai jamais été en dépassement avec ma carte bancaire, genre j'ai jamais été à moins sur mon compte, j'ai toujours eu beaucoup de sous de côté, j'ai jamais galéré, j'ai toujours eu de l'argent et tout ça. Mais à la fois je suis sur YouTube, c'est pour l'hypothèque. En gros, si vous pouvez plus payer votre appart, c'est l'État qui se cautionne ou je sais pas trop. Bon bref, il faut que quelqu'un le paye. Et bah, ils ont pas trop envie de laisser le dossier à des personnes où ils sont pas sûrs qu'ils paieront. Donc en gros, comme j'ai dit à la dame quand j'ai râlé, j'ai dit en gros, si t'as pas un CDI et que t'es pas suicidaire à 50 ans parce que t'es malheureux, parce que tu fais un taf de merde, alors je dis pas que tous les CDI c'est taf de merde, mais c'était genre parce que j'étais vénère, bah en gros il file pas de prêt. Et la courtière m'a dit ouais en gros si t'as pas de CDI c'est compliqué. Donc elle m'a dit on va essayer, j'y crois, mais je te promets rien. Donc c'était parti pour la vadrouille. Cette période là était super longue parce qu'il faut savoir que j'avais déjà payé en fait un bout. Après, si le crédit n'était pas accordé, il me remboursait, mais bref, moi j'avais déjà imaginé comment je vivrais ici, comment ça serait, etc. J'avais fait mes plans sur la comète et là on me dit non, en fait non. Et puis finalement elle devait me rappeler au bout d'une semaine, deux semaines, toujours pas de nouvelles. Elle me dit j'en sais rien, nanana. Et puis finalement elle me dit peut-être rebelote. J'ai attendu un mois sans trop savoir, j'étais en panique totale, je savais pas quoi faire, si je devais louer un appart, si je devais annuler mes recherches et tout ça. Et puis un beau matin elle m'a rappelé et elle m'a dit bah en fait, ils sont portés garant pour toi et tout ça, donc voilà. Mais ils demandent que tu mettes un apport de 13 000 euros de ta poche pour pouvoir avoir le crédit, pour que ton crédit soit plus bas, mais que voilà, eux ils prennent moins de risques derrière. Donc vu que j'avais ces sous de côté, je sais plus, bref, j'ai dû mettre 13 000 euros en tout avec le premier truc que j'avais payé avec ça. Bref, du coup je dis ok, j'avais ces sous, c'était pour ça, donc voilà. Bon, ça me faisait un peu chier parce que je voulais pas mettre d'apport puisque je voulais tout mettre dans l'appartement, mais c'était le seul deal. Ensuite tu reçois un accord de prêt qui te dit oui, c'est bon. Le truc, il faut attendre 11 jours, après il faut attendre je sais pas combien de temps, bref, ça a pris. Je devais signer le 28 mai et j'ai signé le 23 juillet. Non, j'ai pas eu besoin de garant, de toute façon je crois pas que ça existe quand vous achetez un garant. Ça, c'est... En plus de ça, c'est pas mes parents qui seraient portés garant, j'aurais pas eu de garant. Donc non, j'étais ma seule garante moi-même de moi-même. Et est-ce que tu l'as eu à mon taux? Alors oui, en outre de ça, j'ai ajouté un apport de 13 000 euros, mais j'ai pu l'avoir à un bon taux. À un bon taux, puisque... ouais, je crois que je suis à 1,6, un truc du genre. Bref, j'ai 3 crédits sur 25 ans et bien évidemment, il y a d'autres choses qu'il faut savoir. C'est que quand vous achetez un appartement, vous payez donc l'appartement, vous payez donc les frais de notaire environ, c'est environ 10 000 euros, hein. Ça dépend de ce que vous achetez, mais c'est environ ça. C'est 8% de votre bien. Ensuite, vous avez des frais d'agence, donc j'avais des frais de courtière et en gros, bah, mon projet, bah, j'avais mon prix de base plus tous les trucs qui se sont enchaînés. Donc il y avait ça à payer, plus en fait quand vous achetez l'appartement, moi quand j'ai acheté un appart, il y a bah, du coup votre crédit à payer, donc votre loyer entre parenthèses, il y a des taxes de copropriété, donc c'est environ, moi je paye environ 160 euros par mois, plus il y a l'électricité et tout ça, bon ça c'est normal. Ensuite il y a votre taxe foncière, donc quand vous êtes propriétaire, et votre taxe d'habitation, logiquement que Macron devait virer, mais... on l'attend toujours. Donc voilà, ça fait ça. Genre, ça veut dire que faut compter vraiment, faut pas oublier la taxe de copropriété. C'est voilà, j'ai un gardien, j'ai de l'eau, etc. Bref, c'est compris là-dedans. Et genre, quand j'ai signé, du coup, le mec, comme il est parti en août, ben, j'ai dû payer sa taxe foncière et sa taxe de copropriété. Donc j'en ai eu pour 900 balles en plus de ce qu'il était déjà prévu auparavant. Genre, je voyais mes sous diminuer. En plus de ça, j'ai eu mes impôts, j'ai eu l'accident de ski, j'ai eu ben, mon réflexe qui est mort, j'ai eu tout qui m'est tombé dessus. Genre, de suite, genre vraiment, je voyais mes sous faire. Et en fait, j'ai toujours vécu avec très peu de sous. Du moment où j'ai eu des sous, j'avais une barrière psychologique, c'est que si j'avais pas au moins
5000 euros bloqués sur mon compte, ça me perturbait parce que j'ai tellement connu la misère, on va dire. En fait, j'ai connu la richesse, la misère, et après, j'ai connu de nouveau, là maintenant je suis bien, enfin, j'ai investi tous mes sous dans un appart, mais moi j'ai plus de sous en tant que personne. Donc... Et ce qui a été le plus dur, donc c'est une des questions qu'on m'a posées, c'est que bien évidemment, quand vous achetez, il y a plein de choses qu'on vous dit pas, et je suis arrivée ici, et j'étais dans l'euphorie, j'étais contente, etc. Et j'ai eu une fuite de gaz, donc le mec qui devait venir mettre le gaz, il m'a dit on peut pas. Et finalement, j'ai appelé un plombier, donc il faut payer les frais de plombier, faut payer ensuite, voilà, mais ça c'est encore un problème avec l'agence. Je vous dis pas le nom de l'agence parce que pour l'instant je suis en train de régler tout ça avec eux parce que je veux pas absolument pas payer ça parce que les papiers, enfin ça dit tout et son contraire, les papiers que j'ai signés. Si vous cherchez quelqu'un pour acheter à Toulouse, moi j'ai genre la fille qui a traité avec moi au début parce qu'après elle est partie, avec qui j'ai gardé contact et qui est adorable, je peux vous donner son contact, il faut vraiment envoyer un mail ou un truc du genre si vous voulez acheter, mais voilà, elle est géniale, elle est adorable et actuellement c'est elle qui m'aide pour ces problèmes là. Donc voilà, moi je veux pas le payer parce que je trouve ça abusé, enfin j'étais pas là donc c'est pas à moi de payer les fuites de gaz que le mec avait avant et qui a fait semblant de pas voir. Ouh là là, j'ai... Oh. Donc le truc il dit qu'ils ont pas pu le faire alors qu'ils ont pu le faire, bref le truc est faussé donc je râle. Et donc le plombier est venu et aussi m'a dit votre chaudière elle est pas ouf et tout ça, faudrait la changer. Et ça bon ça je le savais mais j'avais pas, enfin c'est pour personnellement. Et là la chaudière ça coûte 800 balles plus tous les tuyaux qu'il faut refaire, j'en ai pour environ entre 1000 et 1500 euros. Enfin il y a ça, puis il y a la déco, il y a les murs, les travaux, la peinture et tout ça. Et en fait du coup j'ai pas mal j'ai mes sous qui partent, après j'ai des sous qui re-rentrent. Mais c'est vrai que je suis youtubeuse. Et comme vous savez, je vous ai déjà dit, moi environ par mois, je gagne, si je fais une moyenne à l'année, je gagne 1600 euros. Après, il y a des mois où je vais vraiment bien gagner et tout ça, je le mets de côté. Mais voilà, pour l'instant, là, je suis un peu en train de manger de l'eau et du pain dur. Mais ça va aller. Ça va aller. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs que j'ai pas envie de payer, voilà, parce que je trouve ça pas normal et il faut pas se laisser faire. Je suis jeune, du coup, on m'a un petit peu niqué, certes. Faut pas se laisser faire. Après, je suis hyper heureuse d'avoir acheté, je ne regrette absolument pas. Enfin, des fois, je me dis pourquoi mes sous, ils sont dans les murs. Enfin, ils sont pas vraiment dans les murs, c'est les sous de la banque, mais pourquoi? Mais vous pouvez réacheter votre crédit, enfin bref, après il y a plein de choses que je vais pas vous disserter 3 ans parce qu'il y en a que ça va pas intéresser. Mais si vous avez vraiment des questions particulières, vous pouvez m'écrire sur mail. Si vous cherchez voilà, un agent sur Toulouse, vous pouvez m'écrire sur mail. Et voilà, c'était une grosse aventure, je regrette pas. C'était un projet très perso que je vous disais, j'ai un projet perso, je suis stressée, ça va pas bien, j'ai vanille. Mais c'était ce projet-là. C'était vraiment un projet très perso. Bien penser à soi un petit peu dans la vie. Et du coup voilà, donc c'est trop bien. Là je suis chez moi et je reprends mes études en octobre. Mais sinon oui, plus tard je compte, si je me mets avec quelqu'un, je vais me mettre avec un mec qui a un CDI, un petit policier ou un petit fonctionnaire. Pour moi j'aurais plus de problème pour acheter. Je me mettrai avec quelqu'un qui peut faire des crédits. Mais j'aimerais bien moi acheter une maison et le mettre à louer plus tard. Mais pour l'instant en vrai de vrai, si j'habite ici et que j'ai un enfant, il a une chambre, etc. Puisque j'ai quand même une pièce YouTube. Mais si vous voulez voir l'appartement en détail, vous avez le vlog là, l'appart tour. Voilà, je pense que j'ai fait tout. Des conseils à donner, je pense que j'en ai donné quelques-uns. Renégociez vos tarifs, pensez bien aux travaux. Demandez qu'on vous active le gaz avant de rentrer dans l'appartement, l'électricité, le gaz et l'eau avant de rentrer dans l'appartement. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai appris hein, de tout ça. Et soyez heureux. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans des prochains vlogs.